Allez, on est parti donc. Le festival du démon, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Hop là, j'active le son. Beautiful men, they got the nice bodies, good teeth, good jobs. Bon. Ne parlons pas de sa tenue, ne parlons pas de son surpoids, ne parlons. C'est pas le sujet de la vidéo, ok? Et en plus de ça, très astucieux du coup. C'est quoi? C'est la robe, en fait, tu sais, au niveau d'ici, ça cache le ventre. Ouais, c'est très astucieux la manière. Sa robe est très astucieuse. Effectivement, oui. Ça cache un bon ventre. Bon, Good c'est pas le sujet. conversation, and I just... Et même sa position, tu vois, elle se penche pour cacher son ventre. C'est fou, ça. Bref, on My s'en fout. husband, you met your husband. I'm gonna marry him. Yes, I am. Allez, no cap, no cap. Non, parce que je sais qu'il y a des vieux vicelards ici. Les gars, il y en a qui. Ça envoie ça? Non, honnêtement, 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 les gars. Non, juste, soyez honnêtes. C'est anonyme, YouTube, hein, c'est anonyme. Vous pouvez parler franchement, les gars. Il y en a qui. Je sais qu'il y a des vieux vicelards. Il y a des bons Ivoiriens, il y a des bons Maliens, là. Je sais, je vous connais, les gars. Hein. Il y en a, je sais, ils envoient ça. Voilà, c'est bien. Il y en a qui sont honnêtes. Il y en a un qui a dit, moi, je tabasse. Ok, non, non, non. Non, pour une nuit. Moi, j'aime la viande. T'en es pas là, des gros seins. Anthony, ton commentaire, il s'est fait ban automatiquement. Je vais être activé là. Vrai Ivoirien envoie ça. Il y a des bouchers ici. Non, les gars, vous êtes gore. Les gars, vous êtes sacrément. Non, les gars, vous êtes violents, les gars, vous êtes violents. Allez, on est reparti dans la vidéo là. I came out here with an open heart and a free spirit, and that's how I found my husband. Okay. Salut Bruce, c'est Christa. On est toujours à Afro Nation et aujourd'hui, je vais aller demander aux gens c'est quoi leur statut. En couple, célibataire, c'est très compliqué. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de jolies nanas, de mignons garçons. Donc nous, on va savoir c'est quoi le mode de drague ici. Je suis en couple. Ben, elle est où ta copine? Elle se promène, elle fait son festival avec ses copines. Oh. Je pour l'instant, je vais rien dire, je vais les laisser parler, je vais les laisser parler. Couple! Et vous êtes venus ici avec vos copains? Non, on les a laissés à la maison. Ils ont juste checké les tenues et après ils ont dit ok, c'est bon. T'es venu ici, j'imagine que tu te fais beaucoup draguer? Ok, bien sûr, mais sinon, parce que voilà, pour moi, c'est abstinence depuis. Dit-elle, dit-elle, dit-elle. On dira rien, on dira rien. Et franchement, je suis trop fière en fait. Les hommes me voient, ils me draguent, je dis non, et je continue ma route, ils continuent leur route en fait. Mais... Elles ne peuvent pas s'arrêter de mentir. C'est systématique. Et voilà quoi, moi j'aime bien être sexy, j'aime bien être belle. Je le fais pour moi, pas pour les autres. How many numbers did you get? How many numbers? If I say, someone will be very angry at me. So I'm gonna keep quiet on that one. I'm in a relationship. Oh, so what your boyfriend or husband said when you said you're gonna come to Afro Nation? You know what? He doesn't understand what Afro Nation is. I think you found a new boyfriend. Another one. Voilà. Voilà, les gars. Vous avez raison. Non, mais vous savez quoi? Vous avez raison. Voilà. Laissez vos gonzesses sortir en boîte. Laissez vos gonzesses aller au festival. Parce que nous, de notre côté, les masculinistes, on est insecure. Pas de souci, les gars. Vous inquiétez pas. On sera là pour les tabasser. Vous voulez que je vous dise le message que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça? Attendez, attendez, attendez. Je vais vous lire la conversation, vous allez voir. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Je vais vous lire la conversation. Attendez, attendez. Ouais, non, non, attendez, attendez, attendez. Tiens, les hommes qui sont pas insécures, regardez. Alors, voyons voir. Je lis quoi ici? Voyons voir. Alors, regardez, regardez. Vous allez rigoler un peu là.
Vous allez rigoler. Je vais vous lire ça juste après, ok? Je vais chercher les messages, je vais vous lire ça juste après. Vous allez voir les hommes qui sont pas insécures. Now that I know what Afro Nation is, my boyfriend could never come here. And I'm not coming with him either, actually. Why? Why he can't come? Because it's too much fun. It's better alone. Afro Nation. Je drague pas, on me drague. One thing about Afro Nation, the girls know what they want. They know what they want and they go after what they want. Comment je drague? Est-ce que tu as quelques techniques? En fait, j'ai ma technique, voilà, c'est se mettre torse nu. Tu travailles, tu vas à la salle toute l'année et puis les gens viennent. C'est simple. Si c'est possible de me draguer, moi ça m'arrange parce que c'est la meilleure solution. Là, pour l'instant, là, si on fait un peu les comptes, vous en êtes combien de numéros? Ah, zéro. Zéro, moi aussi. Non, on cherche pas des numéros, c'est ça le problème. We are boyfriend and girlfriend. Yeah. We came here together because it was her dream. We do everything together. It's like my best friend. The next time I go alone, no. Regarde-moi ce con qui sourit là. Regarde-moi ce con qui sourit. Regarde-moi ce con qui sourit. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Ça le fait rire en plus. Regarde-moi ce con là. Mais quel con celui-là. Et il pense que sa gonzesse rigole. Il pense que sa gonzesse rigole. Mais ta gonzesse, mon ami, si on tombe dessus et t'es pas là, on va vraiment la poutrer. Les amis, je suis en train de vous rechercher là maintenant un message. Je sais pas si je vais retomber dessus. Putain, c'est vraiment dommage. Si vraiment là, je vous retrouve le message, vous allez être... C'est un message, c'est accablant, les amis. C'est accablant. Accablant, et je pèse mes mots. C'est accablant. Si je retombe dessus, les gars, attendez. Je vais essayer de vous le trouver. C'est juste accablant. Bref, pour essayer de résumer, vraiment, résumer la chose. Les gars, festival, boîte de nuit. Peu importe ce que vous me racontez, peu importe ce qu'on me dit, peu importe à quel point est-ce qu'on me dit « Alex, tu es insécure, tu es machin, tu es ceci, tu es cela », ça ne passe pas chez moi. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de je ne sais quoi. Tu restes à la maison. Tu restes à la maison dans tous les cas. N'écoutez pas les femmes. Lorsqu'une femme vous dit « c'est insécure », c'est bon signe. C'est le bon comportement. C'est simple, tu fais le contraire. Si elle te dit ça, c'est un comportement insécure, c'est quoi ce comportement? T'es trop possessif. C'est bien. Ça veut dire que t'es dans le bon. Si c'est pas le cas, c'est que t'es pas dans le bon. Voilà, parce que lui, il est pas insécure, lui. Mais c'est pour ça qu'on va sauter sa gonzesse. Pour lui donner une leçon. Soyez insécure, c'est très important. Soyez-le.